Salut à toi, Seigneur de Guerre, c'est Pookie, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Darkan et Mogor de l'équipe des Semi-Croustillants. Rapport de bataille, Astra Militarum versus Orc, c'est parti. Donc Darkan, Mogor, vous êtes des représentants éminents de l'équipe des Semi-Croustillants. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette équipe? Bien sûr, alors la Semi-Croustillants, c'est une équipe qui a démarré il y a un tout petit peu plus d'un an. Il me semble qu'on s'est formé en août de l'année dernière. Ouais, donc on s'est formé parce qu'on était un groupe de potes où on jouait tous à la Wake Taverne. On faisait tous des tournois, plus ou moins tous ensemble en fait. Et comme on était plusieurs à déjà faire les qualifs ETC par le passé, et bien, du coup on s'est tous lancés. Tous ensemble dans l'aventure, ce qui s'est plutôt pas trop mal déroulé jusqu'ici, puisqu'on est quand même allé jusqu'au D1. Ouais. Donc on est assez content. Et en termes d'état d'esprit, alors Semi-Croustillants, c'est pas parce que vous êtes fan de Benny Hill, je suppose. C'est non, plus, plus autre chose. Non, tout à fait. Donc c'est plus un hôtel dressé à la barbarie. Oui, voilà. D'accord. Ok, donc plus des fans de Kaamelott, bonne bouffe et des bons déconneurs aussi. Donc vous rejoignez à la Wake Taverne, à quelle fréquence, vous êtes combien, etc., etc. Qui est votre capitaine? Le capitaine donc Per Caster, qui est assez connu, qui a fait des vidéos cet été à l'ETC, l'ESC. On se rejoint à peu près deux à trois fois par semaine en fonction des possibilités des uns et des autres. Tout le monde ne vient pas évidemment à la Wake Taverne. Mm-hmm. Voilà, il y a un an on était 9. Et je pense que maintenant, on doit être 12. On est passé à 12, ouais. C'est ça, tout à fait. Cool. Et on a coupé les vannes maintenant. Parce qu'on ne sait déjà pas quoi faire avec nous. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'après, il faut savoir gérer l'équipe aussi, avoir des gens, des remplaçants, des sparring partners, ce genre de choses-là. Et puis, ça ne sert à rien d'être trop aussi. En termes de tournois auxquels vous avez participé à l'IR cette année, vous avez participé au qualif pour devenir équipe de France l'année dernière, où vous avez été allé jusqu'au D1. Cette année, je suppose que le but, c'est de faire à minima la même chose. Oh bah oui, évidemment, oui. Ça reste l'objectif. Et évidemment, après, si on peut même finir qualifié, c'est encore mieux. Ouais. Bon, mais on vous souhaite. Voilà, et puis, mais on va se battre à chaque D3, D2. L'année dernière, on était passé au D2. C'était un beau tournoi, une belle game. Donc. Mmh. Là, je pense que ça va se reproduire de la même manière. Ouais, surtout que cette année, 40 équipes quand même en liste, donc rien n'est acquis. Ah, puis il y a de la concurrence en plus. Il y a beaucoup de concurrence et tant mieux. Oui. Tant mieux, ça élève le niveau du wargame français. Plein et puis, de nouveaux, etc. Et c'est vraiment cool. Ok, très bien, on va pouvoir passer au rapport de bataille. C'est parti. Eh bien, Darkan, on t'écoute pour la présentation de ton armée Astra Militarum Blood Angel. Yes, alors, trois détachements dans cette armée. On va commencer avec... la brigade Catachan. Donc, cette brigade est donc conçue pour être un détachement Vigilus Emperor's Infantry Conclave. Donc, c'est une brigade assez classique. Il y a 3 sentinelles, donc là vous n'en voyez pas une puisqu'elle est en réparation. 80 gardes, 9 mortiers. Au niveau des personnages, donc on va avoir en choix d'élite un petit prêtre, le monsieur avec la bannière, Harker, qui est vraiment Harker, un astropathe et un platoon commandeur sur sa ruine. Et en QG, nous avons un petit Straken converti et deux compagnies commandeurs convertis eux aussi. Ensuite, continuons sur les Astra Militarum. Hop. Donc, deuxième détachement Astra Militarum. Cette fois-ci, c'est un bataillon. Détachement Vigilus aussi. C'est un Emperor's Wrath Assyry. Je vais vous péter mon plus bel accent pour l'occasion. La vache, hein. C'est incroyable. Hein. Donc, superbe wyvern peinte par MAM. Des cultistes qui me serviront de GI pour bien démarquer les deux détachements qui ont été peints par Ulum. Deux amis qui ont leur propre service de peinture. Je me permets de faire une petite pub. Placement de produit. Voilà, placement de produit. Je ne gagnerai foutrement rien. Dedans, nous avons le petit personnage qui est devant les wyverns. C'est mon Master of Ordnance, qui est reconnaissable avec son petit sceptre. Parce que ça n'a pas d'armes en fait, un Master of Ordnance. Nous avons un Primary Subpsyker et un Company Commander pour mener tout ce petit monde. Et ma foi, c'est à peu près tout. Et on termine par le détachement Blood Angel avec 3 Smash Captain, eux aussi peints par Ulum, et 2 Dreadnought Librarian qui, eux, par contre, ont été peints par moi. C'est pour ça qu'on voit une vraie différence. Donc l'armée en elle-même, c'est globalement un tapis d'infanterie qui va aller occuper la table.
tout en essayant d'offrir le plus de répondants possible. On est quand même sur du catachan. Donc on est sur 3 attaques, 2 force 4 par tête de pipe, pour peu que Strachan et le prêtre soient dans les environs. Beaucoup, beaucoup de personnages pour profiter au maximum des règles de ciblage des personnages et me permettre d'aller récupérer les objectifs en plein milieu de la pampa. Et après, toutes les petites unités pour aller prendre le terrain. Et surtout, la partie Blood Angel, qui est là pour vraiment casser du gros, puisque je n'ai aucune arme anti-char à part ça. Et pour tout ce qui est de l'occupation de terrain adverse, j'ai les wyvernes pour s'en occuper. Et en fait, mon objectif finalement, c'est ça, c'est tenir la table en empêchant mon adversaire de la prendre et tout en essayant de casser tout ce qui me pourrait me faire un petit peu trop mal. Bon, alors Darken, je tiens à te dire, là, sur la dernière série de Battle Report qu'on a fait avec Commander TV, l'Astra Militarum n'a pas brillé par ses performances. Tu es là pour laver les différents affronts qui ont été faits à l'Imperium. Eh bien, je vais tâcher de faire au Es-tu mieux. prêt? Je Tu es prêt? suis on ne peut plus prêt. En plus, les Catachans, c'est un petit peu des casseurs d'orques. Hein. Alors, fluffiquement, ouais. Ouais. Bon, pas autant que s'il y avait Yarick dans l'affaire, Oui, non, mais mais bon, on aurait Yarick est pu le cher. mettre. On aurait pu le mettre. J'aurais pu le mettre, mais il est vachement cher. Bon, et bah, bonne chance à toi. Bah, merci. Alors pour cette partie, mon armée est composée de 3 bataillons. J'ai d'abord un bataillon sur la gauche d'Escule, qui est composé de 2 Shock Attack Guns et de 3 escouades d'orques. Une escouade de 30 avec une pince et des flingues, donc des shootas, et 2 escouades de 10, à chaque fois avec une pince et qui coupe et automatique. J'ai ensuite un bataillon à nouveau de Deskull avec mon big boss Mogor Flanky Calm, Ouais, classe. voilà, avec son petit squeak d'attaque. Un Shock Attack Gun qui prendra la fameuse maintenant relique Vigilus. 2 escouades de D-Boys avec qui coupe automatique et une pince. Une escouade de 30 avec des shootas et une pince. Deux petits canons qui sont, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est des smash à gun, donc c'est des 3 tirs. Et j'ai 2 petits persos, enfin pour finir, Grotsnik, donc qui va jouer le rôle de Toubib pour toute l'armée, et puis un mec qui est juste là pour être là et occuper les objets, on en reparlera. Et enfin, j'ai un dernier bataillon Ban Moon avec 2 Weird Boys, 15 casseurs de tanks, 30 grottes, 3 x 10, et 15 lootas. Donc ouais, on est sur une liste hyper shooty, j'ai l'impression, avec le dernier bataillon Bad Moons, et ensuite derrière, bah, beaucoup de boys devant avec les bataillons d'Evskull, c'est ça. C'est ça, sachant que ce serait se méprendre que penser que c'est que les shootas et que les Ban Moon qui tirent dans cette armée, puisqu'on a les 3 Shock Attack Guns et les 2 canons qui taffent sévère. Ouais, mais je voulais pas le dire parce qu'en fait il y a Darkhan qui écoute derrière et je veux pas révéler ta superbe stratégie. J'ai jamais affronté le Shock Attack Gun. Jamais. Dernière question. Donc il y a une relique qui est utilisée, le fameux Shock Attack Gun Vigilus, mais sinon est-ce que tu as d'autres reliques qui sont utilisées dans ces différents détachements ou pas? En fonction de la liste de Darkhan, je peux décider de le faire. Connaissant un petit peu sa liste, puisqu'on va se la présenter là après, il est probable que je prenne une pince magique sur mon chef pour taper ces Dreadnoughts qui viendraient dans mes lignes. D'accord, ok, ça marche. Bon, bah écoute, on te souhaite bonne chance pour cette partie. Eh bien, allons-y. À toi l'honneur, je t'en prie. Merci, cher adversaire. Attention, c'est parti, la chatte. La malchatte. C'est un flamboyant 2. Est-ce que je peux faire mieux? Non. Eh bien, je relance. C'est Deux. un dé de 2. Beaucoup trop de suspense dans ce jet. C'est un 5 pour moi. Je placerai donc les objets en premier. Et avant ça, on va faire la séquence d'avant-partie. Tout à fait. C'est toi qui as gagné, donc tu C'est commences à me effectivement dire moi qui vais si. commencer. Donc, seigneur de guerre en tout premier. Donc, mon seigneur de guerre, ce sera l'un de mes Dreadnought Librarian, celui qui est en bleu, l'autre étant en noir. Son très seigneur de guerre, ce sera artisan de la guerre, donc plus un au dommage. Ok, moi mon seigneur de guerre, c'est mon Shock Attack Gun Vigilus. Il a sur sa liste le trait Brutal But Cunning, ou inverse, je ne sais plus, qui permet de redéployer des unités avant de commencer. Ok, sort Power Psy. Donc moi j'ai 4 Psykers, 2 Dreadnought Librarian qui vont tous les deux prendre les mêmes sorts, c'est-à-dire les ailes de Sanguinus et le Quickening. J'ai oublié la traduction française.
Mon Psyker Primaris va prendre le Night Shroud et le sort qui permet de réussir automatiquement son test de morale dont le nom m'échappe. Et mon Astropathe va prendre le Bouclier de l'Empereur, qui est donc le plus 1 à la sauvegarde. D'accord. Moi, j'ai deux Weird Boys qui ont tous les deux Dad Jump, parce que c'est important. Et je vais en prendre un, avec un point de commandement, dans la foulée, qui prendra un deuxième sort. Il va prendre Headbanger. C'est un sort qui permet de tuer un patron Blood, par exemple, sur un 5 plus. Mais dis-moi, les stratagèmes avant game, c'est pas après les pouvoirs. Oui, mais je te donne une indication parce que tu vas avoir besoin de ça pour gagner. Oui, je sais bien. Okay. Attends, du coup, les stratagèmes avant partie. Donc moi, j'ai deux détachements Vigilus. J'ai un détachement Emperor's Wrath Artillery. Donc c'est le détachement qui fait que les Wyverns, elles tirent bien. Un détachement des Emperor's Conclave Infantry, ou Infantry Conclave, je ne sais plus exactement le nom. Mm-hmm. C'est celui qui me permet, quand une de mes unités meurt au corps à corps, de frapper avant de mourir. Ensuite, je vais dépenser dans la catégorie des reliques gratuites. Mmh. Je vais prendre les ailes de l'ange sur un de mes patrons Blood. Je vais payer la vision de Sanguinus pour les trois patrons Blood. Mmh. Je vais payer un point de commandement supplémentaire pour que mon Master of Ordnance soit le Field Commander de mon détachement. Donc, il a le droit de sélectionner un trait de Seigneur de Guerre et je vais prendre son trait de Seigneur de Guerre qui fait que les Wyverns à 6 pouces autour de lui sur des 6 pour blesser font PA moins 1. Ok. Non, d'ailleurs, en fait, je ne vais pas le prendre parce que toi, tu as que des t-shirts énergétiques, donc ça ne me sert à rien. Exactement. Du tout. Donc, je ne vais pas prendre ce trait. Ouais, j'ai gagné un PC. Ça y est, je vais changer de stratégie à l'adversaire. Adaptabilité. Par contre, ce que je vais prendre quand même, c'est la relique qui me permet de cibler une de mes chimères et de lui faire ignorer les couverts. D'accord. Une wyverne, donc. Oui, j'ai dit chimère. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'habitude de l'ETC. Okay. Et je crois que c'est tout. Ok, donc moi je t'en ai donné un, c'était le Weird Boy qui prend un deuxième pouvoir. Mm-hmm. Et je vais prendre une deuxième relique, donc la première étant le Choc Attagon de Vigilus, avec évidemment le détachement spécial. Et je vais prendre pour mon Big Boss la pince magique qui fait des 3 dommages automatiques. Donc tu as décidé de vraiment tuer mes BA efficacement. Voilà. De me donner la possibilité de le faire, tout à fait. Donc du coup, j'ai placé les objectifs en premier. Donc sur ce scénario, on est obligé de placer deux objectifs dans chaque zone de déploiement et deux dans le No Man's Land. Donc j'ai placé l'objectif 1 au niveau du No Man's Land et très très proche de la zone de déploiement qui m'arrangeait le plus. Comme ça, si jamais je la choisis, j'ai un objectif comme je les aime. Je peux me cacher derrière, etc. Si c'est lui qui l'a, de toute façon, peu importe, puisque la plupart de mes tirs sont hors ligne de vue. Donc même s'il vient le chercher, il se met à portée de mes tirs. J'ai ensuite placé un objectif dans le fond de la zone de déploiement qui me plaisait le plus, toujours. Idem, comme ça, si moi je peux me mettre là-bas, tant mieux. Si c'est lui, de toute façon, encore une fois, moi, c'est un tir sans ligne de vue à une portée relativement longue. Et le dernier objectif, je l'ai placé dans le fond de l'autre zone pour quand même garder mon petit objectif du fond sur lequel mettre mes wyverns, et parce que lui, l'autre objectif que je voulais mettre au milieu de la pampa dans la zone de déploiement, en fait, je m'étais dit qu'il allait le faire, donc du coup, je n'ai pas pris la peine de le faire moi. Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait évidemment un miroir par rapport à Darken. Il a placé l'objectif 1 dans la zone du milieu. J'ai donc placé mon objectif aussi dans la zone du milieu, sinon il aurait pu déséquilibrer le terrain. Donc j'ai placé le 2 en bord de zone également. Ensuite, j'ai pris soin moi de placer tous mes objectifs en vue, puisque moi j'ai des Shock Attack Guns, des pillards et plein de roquettes qui ont tous besoin de voir quelque chose pour tirer. Et donc mon objectif, c'est de faire en sorte que quand il est sur les objectifs, il soit dans ma vue. Moi, je voulais plutôt obtenir une table qui polarisait les côtés, puisque je pense qu'il occupe plus facilement le centre que moi. Donc là, c'est plutôt mieux pour moi, même si ça reste une partie qui va être extrêmement disputée. Et donc le rôle pour savoir le choix du bord de table, bien au centre de la table. Darkane, tu commences. 5. Mongor. Allez, la petite main. 4. Côté vert pour Darkan, côté rouge pour Mongor. Alors, j'ai potentiellement le premier tour si jamais Darkan n'a pas de chat. J'ai donc mis une escouade de 30 orques, les élastiques jaunes, avec des shootasses devant, prêts à bondir, suivi de mes 4 escouades de 10 orques.
qui viennent tous faire une petite étoile du côté de Grosnik et de mon Big Boss, qui sont en position centrale. Derrière lui, il y a le, derrière le Big Boss, il y a le Warped avec, avec le pouvoir psy Headbanger pour menacer ces méchants. J'ai mis sur chaque flanc de mon armée un canon, hein, pour ne pas lui laisser le choix de m'outrange ou de se mettre dans des endroits où je ne peux pas le voir. J'ai aussi séparé mes Shock Attack Guns, j'en ai mis un à côté de ce canon sur le côté et deux autres sur une ruine avec une belle ligne de vue, sachant que avant de commencer, je vais pouvoir en redéployer probablement, donc aller chercher des lignes de vue qu'il a essayé de me frustrer. Derrière, on a un truc assez classique, les 30 grottes qui sont prêts à shielder les pillards. Weird Boy qui va faire dead jump les casseurs de tanks, que j'ai mis parce que je me suis rendu compte qu'il allait probablement mettre ses wyverns au fond, et que du coup il ne pourrait pas me les menacer tour 1, donc ça m'économise des PC. Et enfin, j'ai 30 boys en réserve. Donc mon petit Darky, c'est à toi de commenter ton déploiement. Très bien, alors donc moi je me déploie en second en ayant la quasi-certitude, en tout cas à 5 chances sur 6 de jouer en second. Et je me suis assez vite retrouvé face à une évidence, je n'arriverai pas à cacher tout le monde. Notamment, il existe que deux possibilités pour moi, j'ai même qu'une seule possibilité de cacher mes trois wyverns, c'est d'en mettre deux au niveau du bloquant central, de façon à ce que ni ces Smashagun ni ces Shock Attack Gun me voient. Le problème, c'est qu'en faisant ça, du coup, je ne cache aucune figurine d'infanterie, sauf qu'en fait, ça ne me permet pas du tout de gagner. Donc tant pis, je laisse les wyverns dans le fond. Et je prends le pari d'en perdre une voire deux dans les deux premiers tours. J'en garderai, il y en a une qui est vraiment quasi invisible, donc je suis quasiment certain de ne pas me faire tirer dessus. Du coup, à côté de ça, moi j'ai caché un maximum de gardes derrière le bloquant central. L'idée étant de faire des blobs de 20 le plus rapidement possible pour déjà profiter au maximum des attaques supplémentaires et éventuellement profiter au maximum de tous les stratagèmes qui peuvent me permettre de survivre. C'est-à-dire, bon, le stratagème qui permet de taper en mourant, mais ça, c'est pas vraiment de la survie. Le stratagème qui me permet d'avoir plus 1 à ma sauvegarde, plus moins 1 pour être touché au tir, plus le sort de plus 1 à la sauvegarde, ça devrait me donner une certaine résilience. Le reste des gardes que je n'ai pas pu cacher, je les ai donc mis devant afin déjà de l'empêcher de FEP sur le côté, sur mes sentinelles et sur mes wyverns. L'idée étant de l'empêcher de se loquer sur tout ce qui dépasse. Et au pire, si jamais il décide de venir me la jouer en frontal, je suis très bien placé pour lui faire une contre-attaque musclée. Ensuite, après, j'ai placé les personnages un petit peu partout, de façon à menacer le plus de choses possible. Est-ce que je vais les envoyer en mode mission suicide pour détruire tout ce qui m'embête chez lui, c'est-à-dire ses personnages, c'est les Smashagun, les Luta, etc. Ma foi, c'est la partie qu'il décidera. Et puis, écoutez, voilà, j'ai fait globalement ce que je pouvais avec les décors que j'avais, et on va essayer de faire au mieux. C'est un 4, c'est tristement. C'est dommage, le 6 était sorti. Tu n'as pas pris l'init. Ce sera donc Mogor qui commencera. Voilà. Lisons la joie et l'allégresse sur le visage de Mogor. Je vais redéployer des 3 unité plus mon Warlord potentiellement. On te laisse prendre un petit dé ici et le jeter, D3. Ce sera donc 2 unités, dont mon Warlord. Donc là, je me suis redéployé en mettant un Shock Attack Gun à portée d'une autre, et en ligne de vue d'une autre Wyvern dans le fond. J'ai légèrement redéployé mes pillards pour en sortir deux qui étaient derrière un mur et les mettre à la place de celui que je viens de bouger. Ma stratégie de ce tour va être de tuer des Wyverns. Voilà, et tout ce qui peut tirer sans ligne de vue. Donc je vais concentrer ma puissance de feu sur les mortiers et les wyverns. J'ai quelques lignes de vue, je vais en profiter. Et l'idée, c'est d'aller aussi d'adjump un truc, mais là aussi pour tuer du mortier, pas forcément du garde, avec la grosse escouade de 30. Tirage des objets Maelstrom. Pour rappel, il y a déjà eu un retrait de certains objectifs, notamment... Voilà. Régicide, ordre prioritaire et marche forcée qui font partie maintenant des nouveaux corpus de règles ETC. Et en plus, tu as retiré domination et interdire la zone pour Mogor. D'Arcane, celui-ci a enlevé les trois mêmes, donc régicide, ordre prioritaire reçu et marche forcée. Et il a enlevé également domination
chasseur de sorcières et interdire la zone. Pour ce scénario, en début de tour, 4 objectifs sont piochés et l'adversaire peut en retirer un, enfin va en retirer un. Donc nous avons suprématie, dompter le warp, défendre l'objectif 2, défendre l'objectif 5. Darkhan, lequel des objectifs vas-tu retirer ? Je vais enlever suprématie. Phase de psy, Mogor va lancer un da jump. Lui sur les jaunes. Super. Ça passe parce que je suis à plus 3. Donc résultat de 5. Ça passe à plus 3 parce qu'il a plein de monde autour de lui. Et il va pouvoir da jump. Positionnement après le da jump de la bande de boys. Là, ensuite, je vais lancer deux smites dans le vide, puisque je dois faire 3 pouvoirs psychiques pour marquer 2 points. Alors, afin de valider son objectif Maelstrom, Mogor va lancer des smites dans le vide pour rien, mais ce qui lui permettra de valider son objectif. 8 plus 3. Plus 3, 11. Et ici. Et là-bas, 5 et plus 2, je pense. Plus 2, 7. Donc on est bon. Il valide donc son objectif Maelstrom de lancer 3 sorts. Les mortiers sont pris pour cible par les squads de boys ici avec leurs flingues. Donc il y en a 4 qui vont tirer sur les squads de derrière. Et les squads jaunes vont se faire cibler par tout le reste. 39. 40 tirs moins 1, 39. 39 sur les mortiers jaunes. Sur les mortiers jaunes. Donc le choix du DevSQ se justifie ici, donc à chaque type de G, il peut faire une relance par escouade. Les sauvegardes. Donc ça c'est un mortier mort, ça c'est un mortier mort, et ça c'est un autre mortier mort, et il en restait de la place pour un quatrième éventuellement. Voilà. Ils avaient mieux réparti leur tir. Donc ceci est un premier sang pour les orques. Choc attack gun relique. Il va tirer. Là-haut, va tirer sur la wyvern qu'il voit derrière. On y va pour la force. C'est une force, somme toute, pas ouf. Et alors du coup, ma nombre question, de tirs, oui. Est-ce que en tant que Death Skull, tu peux relancer un dé là ? Non, c'est touche, blessure ou dégâts. Très bien, au moins c'est clair pour la street. 8 tirs. 8 tirs, c'est plutôt pas mal. Alors, on prend des dés verts parce que c'est un orc. Et donc on y va. En plus, il fait donc, c'est un descule, donc je relance un dé. Il touche, je fais un daka parce que je suis un connard. J'ai donc 4 touches qui vont blesser à 5 plus, parce que je n'ai pas le trait de seigneur de guerre qui me donne plus 1, qui est souvent pris par les joueurs orcs avec un shock attack gun. On y va. Et ben voilà, il n'y a pas besoin de plus 1. Je suis un connard, descule. Je suis un descule et un connard. Voilà, c'est ça qu'on veut voir à quadruple 6. J'allais dire Darkhan, ta sauvegarde, mais non. Hein, parce que t'as fait à moins 25, moins 5. Il me semble, ouais, c'est ça. Alors, j'aurais bien aimé avoir le visage à l'instant où il a dit Darkhan, ta sauvegarde, mais non. On a donc 4 dés de 6 dommages. Et comme je suis un descule et un connard, genre voilà. Ça, donc, voilà. Elle est morte. Ça fait 14 PV. Est-ce que nous avons une explosion ? Non. Non. Donc c'était celle-ci ? C'était celle-là que je voyais. Celle-là ? Celle-là qu'il voyait, ouais. Donc ça fait une première wyvern de tomber. Donc pour l'instant, par rapport aux objectifs qu'il s'est fixé, Mogor est plutôt pas mal. Retirer les tirs indirects. Et ensuite, il va continuer sa phase de tir. L'option maintenant de retirer avec mon shock attack gun. Oui. Mais je n'ai pas de cible alléchante. Et donc c'est probablement lui qui va l'utiliser. Et avec lui, je vais prendre Daka Daka. Hein, pour m'assurer que cette sentinelle va mourir. Donc le shock attack gun ici va tirer sur les sentinelles là. Donc je passe à 11 points de commandement. Donc on est à 11 points de commandement pour Mogor. J'ai un des petits tirs. 5. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Il touche sur du 5. C'est un descule. C'est un daka. Tu fais une touche. Tu fais plein de 1, c'est beau. Exactement. Est-ce qu'il blesse ? J'ai pas fait la force. On dit sur la force. La force. C'était une force 7. Force 7, on sur du 3. Sur du 3. Et c'est pas bon. Endurance 7. Donc je peux relancer. Parce que tu descules. Je suis un descule. Voilà, une blessure. Et ça nous fait donc
Surtout, sûrement pas 2. 5 PV. 5 PV sur la sentinelle. Donc tu retires avec la force. Donc tu retires tout. Okay, la force, 12. Donc là, si je la touche. Oui, mais là, on va être pas mal si tu touches. Elle est mal. Allez. Oh voilà, 6 tirs. Lâche pas de chat. C'est un descule toujours. Oui. Voilà, donc il daquette deux fois. Ouh. Oui. Ça fait, c'est un nombre de 6 hallucinant. Donc, elle prend 4d3 dommages mortels. Et donc, elle est morte. Ne lance pas ses dés, ils font beaucoup de 6. C'est bon, ça n'explose pas. Ça n'explose pas. Les pillards vont tirer sur les mortiers visibles. Nombre de tirs. Nombre de tirs. 3. Bon. J'ai 1, 2, 3, 4 d'accord. Ce qui est quand même dingue, c'est que sur ces nouvelles moutures d'armée orque, la phase de shoot est quand même la plus longue. Hein. Mmh. Ah oui, c'est bon, c'est sympa aussi, ça va avec le fleuve du Daka. Là, donc, t'as tout ça de sauvegarde. Sur du 6. Paquet de sauvegarde à 6 sur les mortiers. Je pense qu'ils sont morts. Parce que c'est du dégât. Et c'est encore une réussite orque donc, sur les mortiers. Il reste plus qu'un mortier, une wyvern. Donc fin de phase de tir, pas de nouveau tir de la part des pillards. On a un Darkhan qui s'est fait shooter une bonne partie de ses tirs indirects. Pas mal de réussite de la part de Mogor sur son nombre de tirs, sur son nombre de PV retirés. Il a mis à mal deux sentinelles. Il a aussi shooté quelques gardes. Et il conserve ses CP pour la suite. En ne faisant pas son double tir. Phase de charge, l'escouade de Devskull qui est là va charger 4 escouades en tout de garde, 2 qui est hors de ligne de vue pour un Overwatch et 2 qui sont en ligne de vue. C'est une charge à 9. Charge à 9 reroll. C'est parti. C'est un flamboyant 8. Stat nous enseigne qu'il faut mieux relancer un seul dé. 5 plus. Non, c'est un échec. Et donc, on arrive sur la fin de ce tour pour les orques. Qu'est-ce qui va être scoré, mon très cher Mogor? C'est tout, hein. Dompter le warp. Dompter le warp à 2 points. Et je lance la défense de 2 objectifs. Parce que dans ma grande malchatte, ils sont chez moi. Donc, tirage des objets pour Darkhan. Nettoyer le ciel. Nettoyer le ciel. Tu n'as pas d'unité avec Fly, donc il est automatiquement défaussé. Automatiquement défaussé. Défendre l'objectif 2, donc celui qui est rigoureusement chez lui. Sécuriser l'objectif 1, celui-ci il est chez moi. Puissance de feu écrasante. Et en quatrième, sécuriser l'objectif 6 qui est chez moi aussi. Donc maintenant j'attends que Mogor me dise lequel est. Il est chez toi le 6. Bon, donc j'attends de voir ce que Mogor va me dire de supprimer. Je vais te virer, supprimer l'objectif 1. Alors mon plan va être un peu. Déjà, ça va pas être facile parce qu'effectivement, comme prévu, entre guillemets, ça me fait un peu chier. Le premier tour a été assez meurtrier, vu que j'ai perdu quand même dans la bataille de Wyvern. Donc c'était le pire des cas que j'avais envisagé, mais bon, ça va quand même chier. Il me reste un mortier en tout et pour tout et une Wyvern, donc ça veut dire que ma puissance de feu est quand même extrêmement diminuée. Par contre, j'ai encore toutes mes troupes. Ce qui me permet de scorer et d'avoir encore un petit peu de répondants. Donc je pense que là, on va essayer en fait, de reprendre la map. Les gardes ont le mérite de ne pas avoir une puissance de feu tout à fait déconnante. Et donc même si je n'ai plus mes wyverns, mes mortiers, je peux quand même encore me défendre. Mogor a encore 30 orques en FEP. Donc de toute façon, j'ai envie de m'étaler un petit peu pour l'empêcher de faire ce qu'il veut sur la table. On va essayer de mener le jeu. Le problème, c'est qu'il a eu aussi un très bon tirage Maelstrom, contrairement au mien, qui n'était pas terrible. Donc en fait, je me retrouve dans une situation délicate. Fin de la phase de mouvement de notre ami Darkhan. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Donc là, mes gardes sont placés pour ouvrir le feu. Et j'ai mis Straken et le prêtre à portée pour leur filer un maximum d'attaques. Donc, phase de psy qui a vu les squads fusionnés se bénéficier d'un moins 1 pour être touché. Le plus 1 à la save n'est pas passé. Et on a un Dread Archiviste qui s'est boosté en se mettant
le sort qui lui permet d'avoir fly, et également plus 3 à la charge et plus 1 des 3 attaques. Et d'Arcane a obtenu un plus... combien d'attaques ? Plus 2 attaques. Phase de tir. On va commencer par lancer des ordres à la terre entière. Donc déjà, par ici, on est à portée d'ordre. Donc on va faire un move sur les squads orange. Traken va donner l'ordre à l'escouade fusionnée de faire premier rang feu, deuxième rang feu. Son deuxième ordre, c'est la même chose, premier rang feu, deuxième rang feu, mais à l'escouade jaune qui est juste derrière. Donc ça, c'est donc les morts, dit-il. Combien de morts en tout ? Une quinzaine. Une quinzaine, ouais, je crois. C'est pas mal. C'est ce qui est bien, mais pas top. La Wyvern, pour son premier tir, a priori, va finir. Non, parce que je peux tirer deux fois déjà dans le tour si je veux. Mais pour son premier tir, va donc tirer sur les squads bleus. Je suis catachant, je vais donc relancer le 1. Parfait. Donc nous sommes à 16 tirs. Grâce à Harker, nous sommes sur du 4+, reroll des 1. C'est pas dingue. 4+, reroll parce que c'est une wyvern. C'est même pas terrible du tout, ça fait 5. On met moins 1 à la PA, c'est ça qui est décidé. Oui. Et on s'en bat les couilles grâce au t-shirt énergétique. Non mais en plus je te dis n'importe quoi, j'ai dit que je le faisais pas finalement. Tu l'as pas utilisé. Ah ouais. Donc Et ben, j'aurais eu mon t-shirt énergétique. C'est de la merde. T'as le droit à Grosnik. Aussi, peut-être Grosnik. Évidemment. Il fait le taf, Grosnik. Et je vais tirer une deuxième fois sur la même unité. L'idée étant de diminuer le nombre de figurines que tu as sur l'objectif. Faire un premier sang peut-être. Et peut-être faire un premier sang, oui, mais à la limite, premier sang, je peux aussi essayer de charger par là avec les squads fusionnés. Donc c'est, j'ai plusieurs possibilités encore pour le faire. Donc le nombre de tirs de la Wyvern. Alors je vais relancer le 2, parce que je suis catachant. Je suis bien content. Voilà, tout à fait. 14 tirs. J'aimerais vraiment qu'on n'en parle pas. Donc 14 tirs, on y va. Alors, comme tout à l'heure, 4+, reroll les 1. Sur de la chatte. Bon, pas tant que ça en fait. Tac. On est un peu mieux sur les blesses quand même. Hein. J'en ai un petit peu plus mis, ouais, là on est mieux. Le t-shirt énergétique. T-shirt énergétique. Putain. T-shirt énergétique inutile. De merde. Mais Grosnik va sauver la journée. Sans doute, oui. Ah, il va quand même en sauver les 3. Ce qui... Donc je viens de l'empêcher de défendre le 2. Eh bien, ça y est. C'est bien joué. Ce qui me rend tout à fait en joie. Comme ça se voit sur mon visage épanoui. Je vais charger avec les squads combinés, violette et bleu. Je te préviens, ça va être un hôtel dressé au culte de la violence. Ah, ma charge, donc pour la réussir, j'ai besoin de 5 minimum. Donc ça devrait être quelque chose de faisable. Pardon ? Vas-y, fais ton jet. Excuse-moi, c'est que... Petit 11, je pense que ça devrait suffire. Donc fin de la phase de corps à corps, Orc versus Astra Militarum. L'Astra Militarum a quand même réussi à bien désosser les Orcs, il en reste très peu. Eux, en réponse, ils n'en ont pas tué beaucoup. 3 sur 19, ce qui est déjà honorable. On notera que le Medico Orc a quand même sauvé pas mal de gars à chaque fois, hein, que ce soit à la phase de tir ou à la phase de CAC. Et ont été faits ensuite les tests de co, où le Big Boss a dû mettre quand même pas mal de tartes pour éviter que tout le monde ne fuit. Donc la petite escouade bleue, là, il reste un gars, donc elle n'a pas disparu. Par contre, bah, en effet, ils sont sous l'ombre par rapport à l'objectif 2. L'escouade ici reste aussi, mais est amoindrie. Il lui reste de mémoire 5 protagonistes. Alors, puissance de feu écrasante, ça a gentiment raté. Parce que bah, voilà, ma puissance de feu est assez amoindrie, donc c'est pas hyper étonnant. Défendre l'objectif 2, par contre, c'est en cours puisque je suis maintenant plus nombreux sur l'objectif. Sécuriser l'objectif 6, vu où il est placé, je pense que je vais le défausser puisque j'ai assez peu de chances de le marquer. Et voici. Et de son côté, Mogor nous fait le défendre l'objectif 5 et puis l'objectif défendre l'objectif 2, donc il aura donc 3 objectifs à tirer au tour suivant. Tour 2 des orques, tirage d'objectif pour l'ami Mogor. Chasse au gros, sans les tripes, sécuriser le 5. Donc moi je vais te demander de défausser, défendre l'objectif 2. You motherfucker. Les jaunes sont revenus avec le stratagème Green Tide sur le bord de table.
J'ai fait FEP, l'escouade que j'avais gardée en réserve, pour aller reprendre le bord et puis avoir mon objectif 6. J'ai fait fusionner, je l'annonce maintenant, deux escouades de 10, donc les roses et les verts, qui passent à 20. Et voilà, donc je perds 4 PC, il m'en reste 5. Phase psy de notre camarade Mogor qui va commencer par un petit... Un dat jump sur Segala. Plus 3, puisque j'ai 15 pillards et 15 casseurs. Ça nous fait donc plus 3. Donc 7, ça passe. 7, ça passe. Donc tu vas pouvoir téléporter tes fameux casseurs de tank là où tu le souhaitais, c'est-à-dire dans le coin au fond à droite, près du Dreadnought Librarian, afin de pouvoir... Le complètement lui allumer sa mouille. Vérification du corps arbitral sur la possibilité de ce dad jump. C'est validé par la street. Ça sent le Dreadnought qui fume dans quelques instants. D'ailleurs, le Dreadnought qui fume, c'est le nom du restaurant que vont ouvrir le semi-croustillant à la rentrée prochaine après leur victoire du calife. Mogor vérifie que les casseurs de tanks soient plus près du Dreadnought que de la sentinelle là-bas, parce que, rappelons-le, le Dreadnought Librarian est un personnage. On passe à la phase de tir. Mogor, les mains chargées de dés, il fait une petite prière à Gork et à Mork. La prière, c'est plutôt moi qui l'ai fait, en vrai. 15 tirs de casseurs de tanks, donc il y aura tout pour toucher sur le gros connard. Le casseur de tanks full reroll. Pour l'instant, nous sommes à 2 Daka. Oh, ça sent de l'anus. Donc ça nous fait 3, 5 Daka. 5 Daka. Obligé de prendre un dé de plus. Il est désagréable cet homme, je vous jure. Ça reroll. Oh là 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 là, c'est propre. On est sur un full touche. Tellement ça Daka. Le fameux Dreadnought qui fume. Donc, 3 plus donc. 3 plus. Pas de chat. Pas de chat. Scandale. T'as pas reroll des blesses, non ? Non, 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 c'est faible. Alors, oh. T'es payé à moins combien ? Moins 2. Moins 2. Oh. Moins 2. Ça fait du 5. Du 5. Allez, mon Darky. C'est insuffisant. On n'a pas les mêmes dés, a priori. Ouais, hein. Non. On n'est pas nés sur les mêmes étoiles. A priori, ça décède. Hein. Ça décède. Tu m'amuses. C'est cassé. Tu t'aimes bien. C'était celui-là. Pour moi, c'était celui-là. Les pillards vont tirer sur les gardes en face, les deux escouades de 10, de part et d'autre. Un tir. Un tir chacun. Un tir, et j'ai de quoi relancer, que je vais faire. Voilà, si ça relance. Ça restera un tir. Et j'ai 4 points de commandement restant. Donc, Mogor utilise 2 PC pour retirer 24 tirs sur les gardes restants. Ça va. Nettoyer un petit peu. Je pense que ça va faire pas mal de garde-mort. Hein. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est ce... 50 tirs des boys sur les gardes. Et Darkan décide de ne pas utiliser le jetez-vous à terre pour les conserver. Vont-ils survivre? Il reste donc 3 gardes. Donc ici, Mogor, bien sûr, élimine toutes les troupes qu'il peut parce que ça lui rapporte du KP. Ça évite du scoring de fin de game. Et bon, voilà, il va chercher les points avant tout pour s'assurer la game. Les pillards ont bien déblayé les gardes qui étaient au centre. Pour rappel, les casseurs de tanks ont détruit le Dreadnought Librarian. Casseur de tank, ici, une charge à 10. Ouh! Décidément. Ah, c'est fort dommage. Une blessure. Une blessure. Rien du tout. C'est un mort. C'est un mort. Et maintenant la charge. Charge à 10 avant Moody. Charge à 10. Ouh. C'est un scandale. Cette grosse charge. En général, c'est combien? Là, Jean-Michel, on est sur un petit cordon
Ah oui, alors. De commandement, comme on dit. Ce petit placement que vient nous faire Mogor avec sa charge, c'est en effet pour conserver son commandement orc. Parce que eux, je ne suis pas certain de réussir à les faire charger. Donc je vais charger sur cette escouade-là. Celle qui est dans le bâtiment. Tout à fait. Oui. Je ne vais pas charger celle-là parce que sinon, je vais me sentir obligé de la taper. Et c'est pas le plan. Et voilà. Eh bien, écoute, vas-y. Parce que du coup, il n'y a pas de... Pas d'Overwatch. Pas d'Overwatch. Hop là. 8, bah, on va garder 8. C'est une belle charge. Ça va permettre de bien positionner les orgues. Donc, en gros, avec ce move, Mogor a fait en sorte de ne pas se prendre un Overwatch de la part des gardes qui étaient juste derrière. Et donc, de pouvoir placer ses mecs tout en pouvant positionner par la suite ces orques autour des gardes qui sont là au milieu, qui eux auraient pu faire un Overwatch, mais c'est pas du tout son plan d'après ce qu'on a compris. Son plan, ça va être de les cliquer, voire de faire un cordon pour éviter, enfin pas un cordon, un grab, pour éviter que ces mecs ne bougent par la suite et l'emmerdent au niveau du scoring et du maelstrom. Mogor flingue qui calme, va charger. Donc les gardes ici et notre ami 9 en fait. Darkan va utiliser le stratagème grenadier, c'est-à-dire que pour il peut utiliser jusqu'à 10 grenades, donc 10 grenades en contre-charge. Je vais lancer 10 décisés pour 10 décis tirs, 40 tirs de grenades. On va espérer que ça fasse quand même quelques trucs. Ça me ferait énormément rire. Oui, moi, que ça meurt. Voilà. Bon, ce ne sera pas le cas. C'est pas aujourd'hui. A priori, ça a l'air compliqué. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Je t'en mets qu'une parce que pas de chat. Que tu es faible. Ouais. J'ai pas les mêmes dés que toi, a priori. Et je te méprise. Alors. Pack qui est revenu va charger le pack de boys, le pack de gardes qui est au centre de la table. Charge réussie pour l'escouade qui vient de revenir. C'était une charge à 9. Mogor a fait un petit 7 qu'il a reroll grâce au fait que ce soit des orques. Il a reroll le 1, il l'a transformé en 5, ça fait une charge à 11. Et donc, du coup, il se pose la question d'aller grader. Ah bah, du coup, il le fait. Je pense qu'il y a plus de questions à poser. Il le fait complètement. Il n'y a plus de questions à se poser. On y va. Et les gardes. Alors, bien évidemment, du fait du corpus de règles ETC et de ce que peut nous rappeler Games, etc. Mogor prend grand soin à ne pas passer à travers le cratère, sinon il a moins 2 pour charger. Mais il peut brillamment faire un petit détour grâce à ses 11 de mouvement. Je pourrais, mais pas obligé. Les orques blancs qui chargent les gardes. J'y suis aussi, voilà, c'est ça. 10. Belle charge à 10 pour les blancs. Alors Mogor avait la bonne distance de charge, mais étant donné que même à 6 il était à portée, il a décidé de relancer le dé quoi qu'il arrive pour pouvoir se donner un peu plus de latitude quant à son déplacement, pour pouvoir notamment se repositionner par rapport à son big boss et le médico ici présent. Donc on voit qu'il y a quand même une gestion de la micro qui est hyper importante sur cette liste pour pouvoir garder les bulles d'effet et d'aura tout en prenant le terrain. On va avoir une intervention héroïque de la part du Smash Captain qui était ici, donc qui se retrouve à moins de 3 pouces d'une escouade d'orques. Donc il va tout simplement les socler pour éviter de se faire trop encercler par les orques et pour en mettre quelques nions dans le groin de ces champignons. Pour l'escouade qui se trouve donc ici, qui a été chargée par le Big Boss, Darkan va utiliser le stratagème Vigilus qui lui permet de taper, enfin Pylin est tapé au moment où ses figurines meurent. Les attaques sont 20. Ouais, dans les squads. Alors, les 28 attaques dans les gardes de la part de ces orques-ci. On va observer ça du haut de... T'as passé par les attaques du noble? J'ai pas encore fait les attaques du noble. Il a pas encore fait l'attaque du noble. Et ça c'est fait... une grosse blessure, d'ailleurs je vais reroll ça parce que je suis nescu. C'est une grosse blessure, ça sent la grosse mort. Hein. Ouais, ça sent pas bon comme dirait l'autre, hop. Un décès. C'est effectivement un décès. Tu cherches un adjectif? Non. C'est un décès violent, c'est un décès attristant. On est dans la sanglance. Ce n'est pas un décès comique. Non, je viens. Ah, et il y a ici les
Casseurs de tank. Donc les casseurs de tank vont pile in en se rapprochant. Non, c'est pas lui qui va faire ça. Bon, lui. Il vient. Donc l'intérêt de ce positionnement, je me permets de le commenter, c'est pour taper un minimum pour permettre de graber par la suite. Merde. Plus dans les 1 pas. Ah mince. Mince, il n'est plus dans les 1 pas. Du coup, 4 attaques. Non, 8, pardon, je suis un 9. Problème. Quand même 8 attaques. Sachant que celle-ci lui reste 5 PV. Hein. Ouais. Il fait quand même 4 PV. Hein. Enfin, 4. Mais on a failli. Hein. Donc c'est de la save, 4. On perd 2 PV. Perd 2 PV, il lui en reste 3. Et donc, du coup, maintenant que Mogor a fait ses attaques, il va pouvoir aller la grab. Et donc, se permettre au prochain tour de finir la sentinelle pour pouvoir être libre à son troisième tour. Donc, fin du tour orc. Tour qui s'est quand même plutôt bien passé pour notre camarade Mogor. Il va marquer pas mal de Strom. Il a réussi à rester loqué au corps à corps ici avec les gardes qui n'ont pas fui au commandement. Il s'est loqué sur la sentinelle qui est là. Bon, le seul point noir du plan là pour l'instant, c'est qu'il a perdu l'aura de son big boss, de gros sneak. Et donc, du coup, il laisse cette escouade-là à peu près dans le vent pour pouvoir se faire tirer dessus, donc pas grave. Et avec beaucoup moins de tankiness. Mais sur ce tour, il va quand même réussir pas mal de Maelstrom. On va voir ça de suite. Sur ce tour, tu vas nous faire donc un point de Maelstrom en réussissant 100 et trip. Deux escouades qui meurent. Et sécuriser le 5. Sécuriser le 5. Et je vais défausser chasse au gros puisque... Et tu défausses chasse au gros parce que ça va être la wyverne qui va pouvoir être déglinguée, mais loin, elle est loin, cachée. Tu as raison, il vaut mieux stromer. Donc du coup, tu mets 2 points de Maelstrom et on vient de compter également 5 KP, car tu as tué 5 escouades d'infanterie. Sécuriser nos 2, sécuriser le 4. Et du coup, alors, est-ce que tu choisis de reshuffle ta main ou pas? Je pense que je vais choisir de reshuffle ma main, puisqu'en fait, ceci est le seul objectif que je peux faire a priori avec certitude. Donc Mogor va me l'enlever. Donc sécuriser le 3 qui est chez moi, 100 et trip. Défendre l'objectif 4 qui est chez moi et sécuriser l'objectif 6 qui en revanche est plutôt chez Mogor. Donc il reste donc 100 et trip, défendre le 4 et sécuriser le 6. On t'écoute pour la fin de cette phase de mouvement. Ok, fin de phase de mouvement un peu complexe puisque j'ai dû réfléchir par le truc. Ça me change d'habitude. Donc, on a quadrillé un petit peu l'arrière pour pas prendre des dead jump à tir larigot. Évidemment, on désengage le patron Blood qui était engagé avec les boys. On va tenter d'aller en remettre quelques baffes avec un suivant. Le troisième patron Blood, je l'ai avancé puisque je peux tenter une charge sur le big boss Grosnik et avec un petit peu de réussite sur un des Weird Boys. Après, le reste, c'est globalement des gardes qui ont avancé, qui ont fusionné, qui vont lâcher le plus de tirs possible sur les boys en jaune pour après aller charger les boys en blanc, puisque j'ai quand même 100 et trip à faire, pour essayer de marquer quelques points. Donc on a deux sorts d'affilée qui passent à 11. Je suis à 4. Non, c'était 4 en contre réfugié. Donc phase de psy qui fonctionne plutôt pas mal. Phase de tir, on déclare les ordres, on t'écoute. Le compagnie commandeur qui est dans le coin du bâtiment va se lancer commande move 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 à lui-même. Alors peu importe le jet de dés, voilà, 1, en fait, l'objectif étant de se mettre dans les 6 pouces de E. Tac. Pour pouvoir leur donner l'ordre à E de fixe baïonnette. Ah. Donc là je suis obligé de taper immédiatement. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques. Donc on y va, je le fais. Donc j'ai 6 attaques, donc je touche qu'une seule fois parce que j'ai pas de chat. Et je ne blesse même pas. Ça valait le coup. Voilà. Alors c'était un beau move, mais. C'était pas terrible. Bien, cette phase de tir a permis de retirer. Je blesse deux fois. 14 morts sur l'escouade jaune qui ne sera pas à portée de son big boss pour pouvoir faire un commandement, une reroll de commandement. 7.
quasiment l'ensemble de l'armée d'Arcane a tiré pour amenuiser cette unité-là. Donc on va commencer par le patron Blood Angel qui est ici, qui va charger l'escouade verte, Grotsnik, le Big Boss et le Warboy. Donc, et l'escouade blanche. Multitude de cibles pour toi pour t'assurer qu'il arrive une charge. Ouais. Voilà. C'est une charge. Hop, c'est une charge à 4. Donc, ça, c'est un échec retentissant du plan stylé, typiquement. C'est vrai qu'il chargeait à 3 dessus, en fait. Non, c'est pas. Il faut que je paye un strataf pour ça. Et que t'arrives de faible, surtout. Charge des blancs avec les gardes. C'est une charge à 3. Sans déconner, je crois qu'elle est ratée. Elle est ratée. Je vais utiliser un CP pour relancer un dé. Voilà, 5. Ouais, enfin, c'est pas énorme. Bon, tant que tu conserves ta bulle, tout va bien. Hein. C'est ça. Là, il ne peut même pas la perdre volontairement. Putain, ça troll, c'est bien, c'est agréable. Donc, charge à 9 réussis du Capitaine Blood et charge à combien pour la sentinelle ? Charge à 7, je n'ai pas besoin de tout ça. Ouais, 7. 7, c'est bon. Donc, ça contacte pour le Capitaine Blood, pour la sentinelle, c'est réussi. Ici, les gardes réussissent également leur charge avec une relance. La Capitaine Blood rentre dans les orques blancs. Je vais commencer par les squads de gardes fusionnés. 55 attaques pour les gardes, étant donné qu'ils sont à portée de Straken et du prêtre. On va commencer par 30 pains. Dommage qu'il n'y ait pas un petit arqueur derrière là, qui leur virait. Hein. Ouais. Ça fait 4 pour l'instant. 4 pour l'instant. Alors 4 blessures sur 30 tapes. Donc, non, celui-là était, j'en avais fait que 4 tout à l'heure, j'ai enlevé 5 dés parce que j'avais 25 dés à prendre. T-shirt énergétique. Voilà. Ils ont retiré. Grotsnik. Je crois que je suis parti. Sauf 2. Grotsnik fait le gros taf. 3 ou 3. On fait 8 morts, ça c'est emmerdant. 8 morts. Non, mais ça va suffire, non? Ils sont 10. 3, 4, 5, 6, 7. 8. C'est possible que tu puisses aller taper la légende. Bah du coup oui, maintenant je vais, alors à moins que tu aies envie de m'interrompre quelque part. Bah fais peut-être ton piling de tes gardes, non, avant. Oui, ça par contre je suis obligé. Je suis pas obligé, c'est maintenant. Enfin, si je veux le faire, c'est maintenant. Donc le Capitaine Blood qui piling vers les gars et qui va taper dans les verts. Donc là il y a 6 attaques, comme tout à l'heure. 6 attaques. Allons-y, 3 plus, rerelever 1. Ça touche à 2 plus, ça blesse à 2 plus, pardon, excusez-moi, tac, donc ça fait 4 t-shirts énergétiques. T-shirt énergétique. Ça fait 4 morts pour l'instant. Gros sneak pour le sport. Ouais, non, ça fait 4 morts. 4 morts. Ouais, et puis c'était du flat 3 à chaque fois. Flat 3, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 4 morts. 4 morts. 4 morts dans les verts. Dans les verts et roses, en fait, rose. Théoriquement. Oui, verts et roses parce qu'ils sont. Ils sont fusionnés. Oui. T'en as pas enlevé 5 là? Attends, je peux bien enlever ça. Du coup, ton pile-in. Ouais, ok. On va pas se manger des trucs. Alors, ensuite, autre charge là-bas. Patron Blood, même chose. Le Patron Blood dans les. On va essayer d'être fluff, on va prendre casseur des rouges. De tank. Casseur de tank. Donc, ça valait presque le coup, hein. Hop. Prendre des rouges, je veux dire. Ça fait 5 t-shirts énergétiques. Et non, pas de t-shirt énergétique, 5 morts. T-shirt. 5 morts dans les castanques. 1, 2. Dans 5 morts, on peut faire ça comme ça. Donc, retrait des pertes, encore une fois, très important. 3. Pour pouvoir avoir 5, le moral. 5. Ça va me désengager, je pense. C'est qu'il y a encore. Encore elle est activée. Hein. Ah ouais, mais non, mais je bah, d'ailleurs, du coup, c'est ce que je vais faire. C'est un move de merde que j'ai fait. Je vais l'activer, d'ailleurs, du coup. Parce que j'ai pas le choix. Donc, Mangor a essayé de enlever les pertes pour pouvoir okay, tout à charge. Se désengager. Non, les mecs qui n'ont pas chargé. Et pouvoir taper au tour suivant. Mais ça n'a pas fonctionné. Taper dans les blancs. Ok. Sergent. Et donc, du coup, maintenant, Darkan. On y va. Active. Les derniers kiki là. Tiens, je t'en mets 4 parce que j'ai chaté. Ouh, quelle blessure. Les blancs, t-shirt. Rien du tout. Allez, ça sent le capé, c'est à faire. Ça sent le capé. Ils se sont
seront bien battus, ça. Ah, les orques blancs sont morts. Premier... non, pas premier capé. Ah si, premier capé. Premier capé complet, ouais. Premier capé complet pour l'ami d'Arcane. Et la fameuse riposte des orques. Bah, tu peux plus me taper. Là, je peux te taper. Ouais, je vais y aller. Alors, je vais me mettre comme ça. Comme ça. Comme ça. Je vais m'approcher ici. Je vais faire 4. Donc, les dernières attaques sur la sentinelle. D'abord rouge. Yes. Une noble qui full touche. Le noble full touche. Il a juste entre 5. Une sauvegarde. Donc, une sauvegarde. C'est réussi. C'est réussi. Regardez, ensuite il y a un mec qui tape. Attends, c'est la même squad là ? Oui, c'est la même squad. Un mec qui tape. Un mec qui tape sur ton patron de l'autre. Tu fais... La sentinelle. Elle touche une fois. La sentinelle touche une fois. Elle blesse. Force 6. Elle blesse. Ça me paraît vachement 3 attaques la sentinelle. Ah, et pourtant, c'est le cas. Et pourtant, ouais. C'est tout à fait le cas. Et un mort de plus dans les castanques. Bon, bah écoute, je pense qu'on commence à être pas trop mal dans cette affaire. Et maintenant, activation des unités orques, quand même. Ouais, il reste tout le pacton qu'elle a. Alors, on va faire d'abord taper. Donc, c'est une zombie qui l'active. Donc, on va faire taper nos amis. Alors, activation des unités orques. Qu'est-ce qui va être activé en premier ? Le Big Boss. Le Big Boss. Qui est pas contre. Je peux le dire, il touche sur de plus. Voilà. Voilà, il en tue 4 et il fait 1, bah ils sont morts. Voilà, voilà. Et donc il tue tout le monde. Tout le monde. Voilà, il était énervé, il a tué tout le monde. Pas content. Il était chaque fois. Il était chaque fois, et voilà. Du coup, gros snake, bah, il fait plus rien. Je vais quand même, moi, avancer de 3 pas. Ainsi. Avec mon kleps. Ok. Et ben, on est bon. Ensuite, ah oui. Ici. Donc il y a les petits orques ici qui vont aller taquiner. Taquiner du connard là. Du compagnie commandeur. Oh, commandeur, connard. Ça se ressemble. Oui, enfin, ça veut dire qu'on serait sur Connard TV, donc bon. Commandeur, connard. Certes. Certes. Ah, c'est bien, je l'ai enregistré, comme ça je pourrais le mettre. Pour diffuser sur Frenchman Game Studio, quoi. Et oui, Pookie retourne sa veste. Alors, je t'en mets 4. Donc, 3 x 4, 12. 1, 2. 12 attaques des boys. Sur lui. Sur lui, donc le compagnie commandeur. Il est protégé par l'empereur, apparemment. Sur de la manchette. Je vais une rôle de Descule. Et donc une blessure, de plus il a reroll que j'avais raté. 5. On est sur de la save à 5. Alors ouais, il va absolument pas. Il est mort, hein, ouais, il est mort et enterré. Hein. Voilà, parce que pas de chat chez toi, mais pas de chat chez moi non plus. Le mec sur ton patron qui fait rien. Et voilà. Ouais. Superbe. Donc, ça va taper. On arrive sur la fin de cette phase. Donc, phase de morale, on va commencer par les casseurs de tank. Allez. 5. Donc, ils sont 8, ils en ont perdu 7. Et 5, 12. 12, ils sont 8, ils en ont perdu 4. 4, je peux les libérer. Ils perdent donc 4 mecs. Ok, donc il arrive à se libérer pour tirer. Beau move. Ici. Réussir auto, donc tu utilises tes deux derniers PC pour faire réussir auto le test de commandement de cette unité là. Choix important parce que ça va te permettre d'aller tirer, réengager, etc. au prochain tour, qui d'ailleurs va être le tien dès qu'on aura fait la phase de scoring de notre ami Darkane. Donc au niveau du scoring, je marque 100 trip à 1 point de victoire parce que j'ai tué mes squads blanches. Je commence à défendre l'objectif 4. Et je ne sécurise pas l'objectif 6 et je pense que je vais défausser cet objectif. D'accord. Sécuriser le 3, sécuriser le 4, sécuriser le 5 et nettoyer le ciel. Il y a les smash caps sur la table et ben, ensuite sécuriser les objectifs, okay. C'est possible. Donc je vais enlever sécuriser l'objectif 4 pour ne pas le tenter de venir tenter de me le chercher. Donc fin de phase de move pour Mogor, il y a eu des placements pour pouvoir
mettre sa bande là, a priori, à portée de ce warp, ce type là pour pouvoir, donc on va... pour pouvoir faire quoi en fait? Des smites, donc un smite ici. Ah là, c'est la phase de psy. Ah, j'étais sur la phase de mou. Phase de psy, il n'y a rien à foutre de la phase de mou. Il y va 8, ça me donne plus 2. Non, j'ai plus 1, donc ça passe à normal. V3. Ce sera 2. J'ai 2 films Pain à 6 de Blood Angel Vénère. Smite. Il y aura plus 2. Ça reste normal, même chose. Moi, une. Film Pain à 6 de Blood Angel Vénère. C'est bon, Film Pain. Dajam de 7 bandes par ce petit monsieur-là. 8, on est sur un 8. Plus 2, donc plus 2, ça fait 10. Ça, on est bon, ça passe. Et donc, Dajam. Un seul tir pour les Lutaz. Un seul tir pour les Lutaz. Qui tire sur le pack fusionné. Donc les Lutaz ici tirent sur le pack fusionné. Là. Donc là, c'est raté. C'est un mort. Un mort quand même. Le Shock Attack Gun bleu. Sur. Sur les squads force. Toujours. Force en 6. Fait, son score personnel 15 Plague Bearer qui touchait sur du 6 en une seule patte. Oh putain. 11. 11, allez c'est... Deux morts. Deux morts de plus. Premier Shock Attack Gun, de deuxième. Donc, je peux le faire en même temps du coup. Alors, celui qui a la force 3. Quatre tirs. Une, c'est un Descule, il y a un Daka. On se fait une touche. On se fait pour blesser, il blesse pas. Ensuite, l'autre. L'autre qui... Force 6. Force chat, ça touche, Daka. Non. Ça un blesse, un mort. Alors, ouais, ça a été joué très vite, mais en gros... Une touche, une blesse, un mort. Voilà. Ensuite, nous avons un canon. Les casseurs de tanks sur le Capitaine Blood. Tu vas le tuer ou pas? Non, je peux le tuer. Ah, pardon, je retire ce que j'ai dit, c'est possible. Ah, donc il y a deux touches. Trois touches. Un Daka. Un Daka. Non. Ah, dommage. Trois touches. Deux plus. Trois sauvegardes, à 3 plus. Save. C'est là que moi et mon amour des sauvegardes à 3 plus, ça devient pas mal. Ouh, il déjà, il y en a une qui a raté. Déjà, il y en a une qui a raté. Ouh, il y en a deux qui sont ratés. On va se péri-roll, hein, qu'est-ce que je vous dise. Allez, on sent venir le 1 supplémentaire ou pas? À casser quand même. C'est encore cassé. Oh, oh quel dommage. Et c'est dommage combien? Dommage 3. 6 PV là, tu crois. Bon, 6 Fino Pain, parce que c'est dommage 3 flat. Donc il peut encore survivre, il a 2 dés pour faire un 6. Alors, il a récupéré, il en a un. Et voilà, ah. Il est mort. Ok, allez, charge. Eux là-dessus. Alors, je me permets de faire 4 tirs de fulgurance, s'il te plaît. Pardon? Je fais 4 tirs de bolter tonnerre, excusez-moi. Bolter orage. Bolter orage, allez. Charge à 9. Les boys. Tiens, voilà. 5, raté. C'est la full reroll. Voilà, merci. 5. Alors, le Big Boss, avec son petit clébard, qui va taper le Capitaine Blood, ici présent. 2 plus, parce qu'il a pince magique. Ça, c'est un 2. Il est un Descule. Voilà. C'est un Descule. J'ai un Descule avec mon Kleps. Et bien, il ne blesse pas. Donc, ça quatre fait 4 sauvegardes pour la pince. Va-t-il réussir ses 3 plus? Non, toujours pas. Alors, ouais, je vais en lancer une quand même. Ouais, c'est mieux. Il fait 2-6, okay. C'est le miracle. Donc du coup, c'est un dommage 2 flat. Moi, j'ai 3 flat. 3 flat, il faut faire 2-6 pour qu'il survive. Et il est mouru. Et donc, pétage de bouche en vue avec 5, la bande 9, de boys 8, ici. 2 fois 8, 16. Donc 16 attaques plus le knob, ouais. Où il en reste plus. Ouais, si, il reste un knob. Il se touche normalement. 16 attaques. Oui, il se touche normalement. 3 plus. Tout, c'est pas terrible ça. Oh, 3 plus, il fait 3. 3 save. Reroll de touche. Et reroll de touche. Reroll de blesse que je fais ici. Reroll de blesse raté. Et il y a une blesse en plus quand même. Voilà. Ok, save à 4. Tiens, celle-là, je l'ai réussi. 3. Il est là le Darky. La pince. Demain. Et on est à peu près tout sur les maintenant c'est à moi de m'activer sur une charge d'orc. Mais ça n'arrête pas de bouger, ouais. Alors je voudrais bien la réglette qui est là. Hop. Parce que du coup moi aussi je vais te péter les yeux, ok.
Non. Moi j'étais là, donc moi j'étais plus près de eux que du boss. Ah, autant pour moi, je le voyais plus loin, c'est pour ça. Ouais. Autant pour moi. J'étais pas si loin, justement. Puis je fais des commentaires si je veux, de toute façon, la vidéo. C'est ma chaîne, c'est vrai. C'est pas ma chaîne, mais c'est. Ok, donc là t'as tout le monde sur ces deux mecs là qui tapent. J'ai les deux sergents qui arrivent à taper. Ils ont sur 3 attaques, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 fois 6, ça doit faire 18, plus 4, ça doit faire 22. Il me semble qu'aujourd'hui ça fait 18. Mmh. Allez, 18 attaques. 4, 18 attaques, dégâts. Remarque, ouais, tu peux 12, tu peux faire des trucs, hein. 16, faut juste pas trop déconner, 20, quoi. 22. Là, on a 22 pains. C'est des gardes vénères, ça, c'est fait. Hop, ah, regarde-moi ça. C'est pas des gardes vénères, ça. Bien, ça. C'est pas mal. Regarde le défi. Ouais, la réglette entre les dents, il est là. Le t-shirt énergétique. On est à 8 morts. 8 morts, ben 9. Voilà. Ils étaient 9. Ils étaient 9. Oui, il est heureux. Il fait plus de dégâts avec des gardes impériaux qu'avec un smash cap. Bravo. Et il tanque mieux que le smash cap. Il tanque mieux que le smash cap aussi. Eh bien, un bon retour de bâton. Ce n'était pas un bâton de baraka pour notre ami Mogor. Donc, on est à un tour 3, une table bien clairsemée quand même. Alors, Malstrom, qu'est-ce que tu me fais? Je nettoie le ciel par deux fois. Ouais. Je sécurise le 5 chez moi, donc peut-être deux smash. Ouais, par contre, ouais, ça me donne pas de points. Ouais, mais c'est classe quand même. C'est classe quand même. Et je défausse le sécurise le 3 qui est chez moi. Moi, je termine de défendre le 4 pendant ce temps-là. Alors, Darkhan défend le 4, Mogor sécurise le 5 et nettoie le ciel. Tirage Maelstrom de Darky. Donc, sécuriser le 4. Sécuriser le 4. Dompter le warp. Sécuriser le 1. Sécuriser le 1. Et suprématie. Et suprématie. Alors, lequel vas-tu défausser, Mogor? Ben, suprématie. Hein. Moi, je pense que c'est. Oui, évidemment. Et donc, dompter le warp, sécuriser l'objectif 1 et sécuriser le 4. Fin de la phase de mouvement. Donc, les gardes sont sortis de derrière leur cachette, ont fusionné. Non, pas fusionné, j'ai plus de PC. Non, pas fusionné pour parce qu'il n'y a plus de PC, pardon. L'archiviste libérien est allé ici. Les gardes se sont placés là pour aller faire une petite charge à 7 pour aller bloquer le Shock Attack Gun sans pour autant le charger, mais en chargeant uniquement le canon. Le reste, ce sont des personnages qui sont placés en balise pour éviter le dead jump. Donc, fin de la phase de psy, ont été passés 3 sorts pour réaliser dompter le warp à 2 points. Alors j'ai le moins 1 pour toucher qui est passé là-dessus, ouais. Plus un save n'est pas passé. Cunning et L de Sanguinus sur le patron Blood, le Libra and Blood. Donc bon dompter le warp à 2 points. Les ordres. Straken, premier en feu, deuxième en feu, en premier ordre. Premier en feu, deuxième en feu, en deuxième ordre. Donc phase la fin de la phase de tir qui sont de plus en plus courtes puisqu'on avance dans les tours et Darkhan a de moins en moins de firepower, mais il utilise quand même ses ressources pour amenuiser notamment cette grosse bande d'orques avec tes gardes, ton mortier et ta wyvern. Combien de pertes as-tu fait sur cette bande? Eh ben, j'en ai fait que 8 si je compte bien. Donc c'est pas glorieux, mais bon. Au moins plaisir de m'avoir. Phase de charge. Donc le librarian qui nous fait une magnifique charge à automatique. Automatique, voilà. Pas besoin de changer. Je suis à plus de 3 pouces de ce monsieur-là pour pas prendre d'avance. La sentinelle full PV va charger les casseurs de tank. C'est dangereux. Quelle honte. 2. Tiens, voilà. Ton charge à 3. Celle-là, du coup. L'autre, putain. Attends, putain, j'ai réussi à charger, à rater une charge à 4. Et la charge qui nous intéresse, c'est cette charge-ci. C'est ça, la charge sur les gardes. Alors vas-y. Ouais. Évidemment, il fait 3 tirs. Un foiré, il touche une fois. Pas de Daka. Ça tue un mec. Ça tue un mec. Non, on va voir celui-là. Bon, alors allons-y, charge à 7. Ça ne charge pas lui. Non. Voilà. Oui, c'est raté a priori, hein. Ouais, bah voilà, c'est raté. Alors à moins que. Charge à 6, non, non. Mesurer quand même merde. À moins que j'ai pas mesuré, mais. C'est compliqué, hein. Ah, mais si, ça passe carrément, c'était une charge à 6. Oh, le fourbe, il a fait croire à une charge à 7 et en fait c'était une charge à 6. C'est pour tromper mes dés de merde, ça. Il a trompé ses dés. 6 attaques. Allez, les 6 attaques. À 2 plus. De l'archiviste. Donc c'est full touche. Je blesse à 2 plus, puisque j'ai force 12 ou 14, je ne me souviens plus. Et dans tous les cas, j'ai plus 1 pour blesser. Je t'en mets quand même que 4 parce que j'ai pas de chat. Tu fais combien de dégâts? C'est dégâts 3 flat. C'est chaud. 4 dégâts. T-shirt énergétique. J'ai pas de chat. Et ça fait 12. Voilà, et Grosnik va
essayer de faire quelque chose, mais c'est compliqué. Non, le monsieur est décédé. La fin. Oh là là, il est décédé, le big boss. Paf, on va venir engager ce monsieur-là. On est venu engager ce machin-là. Et on se rapproche comme ça. Bon, je vais quand même te taper dessus par acquis de conscience. Ça y est, le choc attaque gun est cliqué. Qui tape le canon, qui touche une fois. Le canon est cliqué aussi. Donc au moins, il se. Peu importe ce qui va se passer sur ce corps à corps-là, en fait, l'idée, c'est surtout d'empêcher de tirer le choc attaque gun et le canon. Fin de phase de corps à corps. Les sentinelles n'ont. Il y a une sentinelle qui a réussi à charger, qui a fait un mort, et avec toutes les autres pertes, au moral, ça a sauté. Ici, il y a quelques gardes qui ont perdu quelques personnes au retour avec le choc attack gun qui tape. Mais ils tiennent bon et cliquent donc le choc attack gun au corps à corps. Et ici, on a l'archiviste Dreadnought qui a réussi à tuer le big boss. Le 1, c'est fait, sécuriser le 4 est fait aussi. Dompter le warp, je l'ai fait à 2 points. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 points sur ce tour. Maelstrom de Mogor pour ce tour, 4. Critique d'émission, on va le chercher. Et ce sera pour critique d'émission. Le critique d'émission, 5. C'est chez moi. Et c'est chez toi en plus. T'as... Tu vas enlever le 44. Ouais, okay. Ce qui paraît cohérent. Fin de phase de mouvement des orques, tout simplement on a avancé le plus possible pour pouvoir tirer comme des gros dératés dans nos petits gardes impériaux. Là, ça n'a pas bougé parce que je pense que ça va se finir au cac. Et donc l'objectif principal étant de dézinguer ces mecs-là. Phase psy. Smite, là-dedans. On va essayer de libérer cela. Ouais. Plus 2. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mecs. 5 mecs. Plus 15. 5 mecs plus 15, ça fait 5. Ça passe tout pile. Okay. Ça passe tout pile et ça fait. Tu peux le dissiper ici d'ailleurs. Ah oui, ça fait 3. Je vais essayer de le dissiper, tiens. Dissipation à 5. Est-ce que tu peux jeter au milieu là? Ah, super. Excuse-moi, écoute, j'ai fait un 8. J'ai fait un petit 8, donc il est voilà. Dissipé. Deuxième. Dissipé. Okay. Donc là, soit 6 à 6. Ah, ça fait péril. Mais ça fait un smite à 10. Après, donc je fais le smite d'abord à D de 6. Et ben, j'ai envie de te dire 5. Voilà, c'est annoncé. C'est annoncé. Il est beau, il est magnifique. Il annonce. Il a du talent. Il vit dans le futur. Son plan génial. Basé sur un jet de dés. Ce plan génial, voilà. Bah, donc, du coup, l'unité est libérée, délivrée. Et va pouvoir avoiner. Dodge gem sur le gros pour pouvoir le placer. Pour pouvoir le placer et tuer la chimère. Eh bien, il va mourir peut-être parce qu'il fait un péril. Ça péril passe. À nouveau. Donc, s'il meurt, ça passe pas. Ouais. Il faut que je fasse un ou deux pour survivre. Voilà, il fait 3. Et tu exploses d'ailleurs. Il explose. Donc, il explose. 3 ici. 3, ah, ben bah voilà. Ici. Les grottes. 2. Ah, ben bah voilà. Grottes. Ah, ben bah voilà. C'est bien ça. Bon, comme dirait l'autre, ça te fera la bite. C'est. Choc attack gun sur le librarian Dreadnought, la force. Force 5. Force 5. On a tir. 2 tirs. Rien pour l'instant. Rien du tout. Rien du tout. Donc le gros choc attack gun Vigilus dans le librarian. Face to face, ils sont là. Force 4. On est sur force la 4. Faiblesse de force. Mais on est quand même sur 9 tirs. 9 tirs. Force 4, 9 tirs. Ça doit être 3 fois. Une fois. C'est des skulls. Ça doit 4. 4 fois, donc ça blesse sur du 50 maintenant. Ouais. C'est Deskull. Là, ça fait une. Une. Une A. Une PV. J'appelle un 6. Voilà, ça sera la vite. Je relance. Parce que tu es Deskull, évidemment. Voilà, ça sera vite. Lui, il te tire dessus avec son méga custom sluga. Okay. Force 8, PA-3, dommage D6. Un tir. Il touche. Shit! Et il blesse. Shit! Yes. J'ai le droit à une save à 6 quand même. Save à 6. Save à 6. Non. Non. Le ouh. Mec héroïque. Le mec héroïque. Ouh, c'est cassé de partout. Oh oui! Le mec héroïque. Scandaleux. Il y a une à 29 points. Fin de phase de tir, ça a quand même bien déblayé. Hein. Il y a un personnage qui a pris cher ici. Il y a le librarian qui a été tué. Les pillards qui ont. Atomisé, stratosphérisé, même une escouade de garde. Et là, on est sur la phase de charge
où la bande de boys fusionnés charge les gardes ici en passant allègrement par un cratère avec un moins 2 pour charger. Mais ils s'en cognent. Fin de la phase de CAC. Sans surprise, la bande de boys a stratosphérisé l'escouade de gardes qui était ici. Il fait assassinat. Plusieurs fois d'ailleurs. Deux points. Et à deux points. Guerre psychologique. Et guerre psychologique. Tirage Maelstrom de d'Arcane, donc il ne marque pas d'Eternal à ce tour-ci. Pas de prisonnier. Et défendre le 1. Tenez la ligne. Défendre le 5. Défendre le 5, défendre le 1, tenez la ligne et pas de prisonnier. Défendre le 1 va donc être défaussé. C'est parti. Fin de la phase de mouvement pour l'Astra Militarum. Donc Darkhan l'a très bien résumé. Il ne peut plus prendre grand chose en objectif. Donc du coup, l'idée, ça va être de faire un maximum de morts et essayer de faire du Maelstrom. Phase de tir. Phase de tir. Donc on va avoir. On va commencer par Harker qui va tirer au bolter lourd là-dedans. Il va faire un full touche. Il va blesser à 3+. Il ne va rien faire du tout. Voilà, ça c'est fait. Wyvern, là, dans les là, mecs. Là, ça va moins déconner logiquement. Là, Wyvern. Là, Wyvern. Ouais, bah pas du tout en fait, hein, parce qu'on va relancer ça déjà. Voilà, voilà ça fait 14. À 4 plus reroll les 1 toujours. À 4 plus reroll. Il me grignote. 5. T-shirt du mépris. 4. 4 morts. Phase de cac, le charge de... Donc, le patron Blood, il va charger le Shock Attack Gun et le Mech Gun, et tu le Smash Gun, et tu n'auras pas d'Overwatch, parce que... Pas d'Overwatch, grâce à l'aile de l'ange, pour Smash Cap, magnifique charge à... 7, ça passe. Au pire, je reroll les charges, voilà, je pourrais aller là, à peu près. Allons-y, Straken pour commencer. 6. Ouais, ça va être bon. Ça va être pas mal. Tac. Le prêtre juste à côté, 2. Bah, du coup, c'est. Non, mais c'est ça rate. Non, je suis à 3, les enfants. Tu es à 3 ? Je suis à 3. Putain, je suis à moins de 3 plutôt. Tout sur le choc attack gun, oui. Je te laisse à 2+. Voilà, ça fait 4. T'as 4 t-shirts énergétiques. 4 t-shirts énergétiques. Ouais, je pense que j'ai fait ça. C'est le décès. Il est décédé. Pas de prisonnier réalisé. Maintenant, là-dedans, on va faire le prêtre qui a 4 attaques. Le prêtre. Qui touche à 4+. Ouh, il est chaud. Attends, il est zélote. Il est zélote, effectivement, donc il peut reroll ça. Du coup, il touche 3 fois. Il a force 3, donc il blesse à 5+. Il blesse une fois. T-shirt du mépris. Pas de t-shirt du mépris. Un prêtre meurt. Enfin, un mec meurt avec le prêtre. Straken maintenant, donc Straken il a 4 attaques de base, plus 1 à cause de lui, plus 1 à cause du prêtre, donc il a 6 attaques, il touche à 2+, il rate 2 fois, parce que bon, pas 4, force 6, donc je fais 3+, je t'en mets 3, t'es à moins 2 dégâts de 2, je crois, ou moins 1 dégâts de 2, peut-être on s'en fout, mais c'est dégâts de 2 dans tous les cas. Donc fin de tour, pas de prisonnier réalisé, à 1 point seulement, ouais, je garde. Je défendre l'objectif 5 que je n'arriverai jamais à marquer. Et donc je me retrouve avec un tenez la ligne que je ne vais à mon avis pas pouvoir marquer non plus. Cinquième et dernier tour pour les orques. Non. Ah non, il y a 6 tours, pardon. Chasseur de sorciers, que je peux encore faire. Hein, oui. Défendre le 4, sécuriser le 1 et puissance de feu écrasante. C'est parti. Tu vas défausser chasseur de sorciers. Allez, phase de move terminée, il y a juste eu un désengagement ici de la part du canon mais qui va se faire prendre une intervention héroïque. Et ici, le mouvement des orques qui ont avancé pour tirer sur les personnages. Et on passe immédiatement à... Ah, si, on a un petit sprint pour pouvoir avoir l'objet. Le dad jump. Je vais dad jump mon shock attack gun. Shock Attack Gun. Oui, ici, Shock Attack Gun. Ça passe à plus 1. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça fait jump raté. Oui. C'est pas grave. Il n'a pas de truc à tuer. Alors, on y va. Shock Attack Gun sur 10. Le Capitaine Blood. Oula, force 10. 6, 4. Ouh, Descule. Oula. Chat 2. Donc là, il faut que je réussisse 2 sauvegardes en vue, c'est ça qu'on dit. 2 en vue à 3. Ouais, super, j'en ai réussi à rater une. Bon, on avait dit qu'on en est à 2. Je vais reroll. Ce
C'est un faux reroll. 2. Et 2. Finopen, 6. Shot. L'autre choc attack gun. Celui qui est vénère. Celui qui est vénère. Allons-y. Force 8. 4 tirs. C'est un deskull. Une touche. Il blesse. Ouh, là, c'est beau. Il commence à réussir ses save à 3+, là, le Darky. Qu'est-ce qui se passe? Donc 5 pierres par personnage, 1 pour le Capi Blood, 1 pour Harker. 5 et 10. 5 et 10. Okay, 10 sur Striker. 1 tir. Donc 5 sur lui. Oh là là. 5 tirs. Dont un Daka, non? Ouais, t'as 2 Daka en plus. Le 2 Daka en plus. Je te refais la blessure ici. Voilà. 2 Daka en plus. 2 Daka en plus. Une touche. Qui blesse pas. Bon. 3 blessures. Dégâts 2. J'en ai raté une. Deux Feel No Pain. Et il est mort. Il est mort. 10 mecs sur Striken. Striken. Ils ont tout donné sur l'autre. J'ai un backup. 1, 2, 3, 4. C'est sur du 3. 1, 3. Moins 1. 3, c'est la 4. Je suis à couleur en fait, non? Je suis à la colle de bord. Ouais. Donc, okay, 2, 3, chez moi. Ah, bah, comme l'autre, du coup, hop, j'ai raté une. 2 PV. Je perds 2 PV, donc il me reste 2. Donc, puissance de feu écrasante à 1 réalisé. Et tu commences à défendre le 4, si je ne m'abuse. C'est ça. Et sécuriser le 1, qu'est-ce que tu en fais? Je vais le garder. Tu le gardes. Tirage Maelstrom de l'arcane. Donc, on a toujours tenu la ligne. On tire défendre le 3, sécuriser le 3 derrière les lignes ennemies. C'est un petit peu tard pour l'avoir, bon. Défendre le 3. Défendre le 3 sera défaussé. Phase de mouvement, donc on a bougé légèrement les sentinelles, les personnages sont rapprochés de la bande ici-bas. Je suis là, il va donner moins 1 pour toucher à Striken. Moins 1. Il faut l'approcher un peu, je pense. Ouais. Moins 1 pour toucher à Striken. Ça ne passe pas, t'as 6. Voilà. Plus 1 à la sauvegarde à Striken aussi. Ça ne passe pas, c'est 6 aussi. Ouais. Bon. Ordre, reroll les 1 pour blesser ce monsieur-là. D'accord. Et je pense que ce sera mon seul ordre. Fin de la phase de tir, tout le monde a tiré sur cette bande-là et on a fait combien de morts? 8 morts. Tac. Je te charge. Voilà, ça roule. C'est bon. Du coup, le copain. Striken. Le copain Striken, il fait rigoureusement pareil. 5. C'est bon. Tac, on y va. Tiens, on va commencer par le prêtre. Mais bon, il y a 5 avec le prêtre. Touche à 4, ne peut pas même pas m'en reroll. Blesse à 5, tiens, je t'en mets 3. 3 blessures de prêtre. 3 morts pour l'instant. 3 morts. Les attaques de Striken. Touche à 2. Blesse à 3. Je t'en mets 3. C'est. Confirme un t-shirt. Pas de t-shirt. 3 morts de plus. Donc lui tape, lui, et les 3 autres tapent lui. Ok. Sur le prêtre. C'est pas content. Pas mieux. Je vais reroll. Vas-y. La 4. Il meurt comme une merde. Le prêtre est mort. Machin. Il n'y a pas reroll pour toucher. Pas de 1. C'est bon. Oh putain, je fais safe. Ah oui, il est mort. Forcément. Le retour de l'arcane, il marque tenez la ligne et sécurisez le 3. Ouais, félicitations. Ok. Et je vais défausser derrière les ennemis. Et tu défausses derrière les ennemis. Donc, Mogor ne défend plus l'objectif 4. Ça va être son tour 6. Où il va tirer? Une carte. Non, deux cartes. Sécuriser. Défendre le 6 et sécuriser le 1. Défendre le 6, tu le défausses automatiquement. Car tu peux... Si par exemple tu peux le faire, parce que moi j'ai encore un tour, c'est moi qui ne pourrais pas défendre. Bah écoute, je vais te laisser. Le 1, il est. Bon, en fait, tout est chez moi là. Ouais, j'ai le 6 chez moi. T'as le 6, bah, je vais t'enlever ça. Non. Donc, fin de la phase de move orc très rapide et dadjam des orcs. Donc, je vais dadjam les lootas puisque je vais les poser sur le objectif 4. On y croit. 5. Passe parce que je suis à plus 2. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Plus 15. Plus 15. Donc, on est à plus 2. Le dadjam fonctionne. Feu avec les lootas sur les sentinelles. Non, feu avec lui d'abord. Avec le choc attack gun donc d'abord. Celle qui a encore 6 PV. Sur la sentinelle full PV. 4 en force. 8 tirs. Ça c'est signé.
C'est un descule. Il a fait 3 d'AK. C'est un descule. 3 fois des 6, elle est morte. Il pète. Et elle explose. Donc, il lui reste combien, 3 PV? Il lui reste 2 maintenant. 2. Deuxième choc attack gun. Deuxième choc attack gun pour la dernière sentinelle. Force 5. 6 tirs. Oh, c'est beau. Descule. Daka. Force 5. 1. 1. Dégâts. 1. Je déroule. 5. Et voilà. Et la dernière sentinelle a sauté et le canon va tirer sur le perso là-bas. Hop là. Ça blesse. Les deux blessent. Sur lui ? Sur lui, le 5. Fait des dégâts parce que je pense qu'il n'a pas vu. Bah, 7. 7 dégâts, bon, bah voilà. Charge Jean-Claude Duss à 9. On prend des verts parce que. Des orques. Allez! On y va, on se bat. Oh oui, le charge à 11. Bon, eh bien, on a des Lutas qui vont enterrer le pauvre compagnie commandeur qui reste. Ça. Non, le Psyker Primaris. Et en plus, prendre les objectifs. Donc, fin de la phase de CAC. Orc, évidemment. Mogor a mis un seul Orc pour taper sur le Psyker Primaris. Et ensuite, là. Loqué au corps à corps pour éviter de se faire tirer dessus à la phase suivante. Pour ainsi avoir ces deux objectifs et empêcher Darkane de scorer sur son dernier tour. Donc comme Alstrom, Mogor score sécurisé le 1. Et le 1. Sécurisé le 1 deux fois. T'as un beau tirage. Est-ce que tu défends le 4 Et tu commences à défendre le 4. Donc ça, je peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de figurine à 10 PV sur la table. Défendre, je ne peux pas le faire au dernier tour. Comme on sait qu'on a que 6 tours. Objectif critique de mission. On va regarder ce que j'ai cassé. On espère que c'est celui sous la wyvern. Ce sera le 1 qui est sous les Lutas. Voilà, sous les Lutas. Voilà. On arrive sur une fin de partie. Pour lui, c'est pas bon. Si on remarque lui, tu me diras à 11, il peut peut-être. À 11, il y est. Tac. Donc lui, il ne bouge pas parce qu'il ne fera jamais rien, ce monsieur. Lui, 11. 11, il y est aussi. Tac. Ok, psy, est-ce que j'arrive à te caler un smite avec un dé? Non. Non. L'autre, est-ce que j'arrive à te caler un smite un peu vénère? Oui, enfin normal quoi, donc un D3, je t'en mets deux. Bon voilà, je te suis deux ordres, on s'en fout. Je suis sûr, t'as commandement, bah du coup t'as commandement 12, donc en fait il peut faire un commandement 4, 13, donc il permet d'arriver. Donc fin de tour. Fin de tour. Fin de game, sixième tour, on finit sur un 20-0 pour l'Orc. Une game hyper intéressante parce que on a vu qu'il y avait plein de moments où en fait Darkane a réussi à gratter des points, à s'accrocher, etc. On finit sur un score de 20-0, mais qui aurait pu être totalement différent. Parle-nous-en un petit peu. Alors totalement différent, pas après le tour 1, parce que moi j'ai fait deux erreurs au tour 1 qui me coûtent très cher, donc qui en fait m'obligent à gratter le fond et à, dès le début, à remonter, enfin essayer de remonter comme je peux. Donc là, après, ce qui enterre définitivement le 20-0, c'est donc ton tour 6, Mogor. Alors, je te laisse expliquer ce qui s'est passé. Dead jump avec une charge qui réussit. On est à peu près à 50%. Donc, là, c'est passé. La dernière fois qu'on avait joué ensemble, c'était pas passé. Voilà. C'est une charge qui me fait gagner 6 points de game et qui n'en fait pas gagner 5. J'en perds 5. Donc, si jamais je rate la charge, le résultat final de la game, c'est 16-4. Donc, on voit qu'il faut toujours se battre pour aller chercher des points. Là, en l'occurrence, ça n'a rien changé sur une partie individuelle, mais partie en équipe, type ETC. Faut y aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, les scénarios sont hyper équilibrés, permettent de marquer des points pendant et surtout des points à la fin. Donc là, c'était une illustration. Ouais, parfait de ce que ça avait donné. Et surtout que, en plus, ce qu'on avait vu, c'est que même s'il a fait et il a admis cette erreur au tout début, eh ben, il y avait quand même une chance de pouvoir gratter des points tout au long de la partie et pouvoir quand même sauver jusqu'à 4 points. Quoi. Ça aurait pu être ça. Donc ça veut dire que si tu n'avais pas fait ton erreur, en fait, la game aurait pu être totalement différente. Totalement différente, peut-être pas. Ce qui aurait changé vraiment la donne, c'est si moi j'avais commencé. Ça, c'est, c'est sûr, mais bon, après, voilà, quoi, ça, c'est normal. Oui, avec des si, on coupe des forêts aussi. Tout à fait.
Après, la dernière fois qu'on avait joué ensemble avec des listes assez similaires, bah, pour le coup, le score était vraiment inversé, puisque c'est moi qui ai gagné 20-0 à la fin. D'accord. Ou 15-5, je me souviens plus. Ouais, c'était ça. On en revient plus ou moins à ça. Et en fait, là, donc là, ce qui change aussi, c'est donc la table. Ouais. Parce que là, pour le coup, dans la table et le déploiement aussi qui joue pas mal. Hein. En fait, comme je suis pas capable de cacher 3 wyvernes sur la table, bah, ouais. Du coup, en fait, je pars. Comme je ne commence pas, en plus, je pars avec de la puissance de feu en moins. Mmh. Donc, du coup, ça m'oblige à sortir beaucoup plus les rames. Ouais. C'est vrai que dès le T1, bah, tu l'as complètement castré au niveau de sa puissance de feu. 2 wyverns en moins, 2 escouades de mortiers en moins, c'est énorme. Quoi. En fait, plus la table est bloquante, plus la partie est à l'avantage de Darken. Ouais. Après, du coup, tu as essayé de faire plein de tricks de placement pour éviter d'avoir des dead jumps répétitifs ou des gens qui arrivent trop vite dans tes lignes. Mais bon, tu as eu quand même une dose de réussite plus importante que la moyenne. Un peu de chat. Mon premier tour était pas puissant. Mal. Ouais. Mais c'est pas inhabituel avec cette liste-là. Oui, bien sûr. On n'a pas paru trop chanceux, ouais. En fait. C'est plus la suite, en fait, d'après. Ouais, c'est derrière. Où là, je me suis dit, bon, là, ça commence à monter la stat haute. Tu vois. Ouais. Mais ton premier tour m'a pas paru face à ça. Ça, tu es 2 wyverns avec ma liste. Oui, non, ça, c'est normal. C'est normal, mais c'est les réussites derrière. Mais par contre, j'ai tué les wyverns avec le talent, c'est-à-dire 4-6 pour blesser. C'est ça. D'accord. Non, mais en tout cas, c'était une très belle game. Moi, je suis très content parce qu'on a pu voir plein de choses différentes, des listes qu'on voit beaucoup, mais au final, qu'on ne sait pas forcément jouer parce que c'est bien beau de faire des copier-coller de certaines listes qu'on peut voir à l'ETC ou ce genre de choses-là. Mais savoir les jouer et savoir sortir les rames quand ça ne fonctionne pas et savoir la dérouler correctement et garder une stabilité, marquer du point quand on la connaît bien et que ça se déroule bien, c'est hyper important. Tant au niveau du jeu solo que du jeu par équipe. Et on voit que vous êtes tous les deux des joueurs de jeu par équipe parce que vous lâchez rien du début à la fin. Toi, je veux dire, tu as lâché zéro concentration, sauf à un moment sur cette histoire de cordon que tu as mal fait ou tu n'as pas un pailling où tu n'es pas allé chercher tes auras. Et Darkane qui, à un moment où il a vu son erreur, est allé chercher le reste des points, comment gratter du Maelstrom, du KP, etc. etc. Donc voilà, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour à votre, toi pour l'accueil, c'est avec grand plaisir. Donc vous êtes la deuxième partie de la compète de la Cookies Cup organisée par Commander TV. Donc le champion semi-croustillant est donc Mogor. On le félicite, bravo à lui. Wow. tu es donc qualifié pour la suite des événements où avec on affrontera plaisir. Les champions des autres équipes. On le redit d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour pouvoir participer, n'hésitez pas à contacter la chaîne. En tout cas, merci beaucoup encore une fois à vous deux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et que sais-je. Je ne connais que Facebook hein, pour ma part. On évite sur LinkedIn parce que bon, ça fait pas très pro. Mais voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis, on vous dit à très bientôt, les seigneurs de guerre. Ciao!